vous savez, par rapport au 8 mars, si tout dépendait de moi, ça ne devait pas exister. Parce que là où nous sommes, le pays est mauvais. Les gens ne font que mourir. Il y a la guerre à Bamenda. Ici même, nous vivons mal. Par exemple, voilà ce que je vends. Le sac de par exemple, le sac de Carole, là, nous on a acheté avant 8 000, 5 000. Maintenant, on paie le sac de Carole à 30 000 dans ce pays. La boîte de poireaux, on paie la boîte de poireaux à 6 000 à Sandaga. Quand on paye comme ça, là, vraiment, moi-même, je ne sais pas, j'ai pitié de mon corps. Parce que nos enfants, même qui partent en mariage, maintenant souffrent. Tu vois, par exemple, les jeunes n'ont pas de travail. Les jeunes souffrent. Pour rationner, on doit rationner 1 000 francs à un enfant. On rationne 2 000. L'enfant, là, va manger quoi? Regardez, par exemple, le tas de carottes de 500 dans notre pays. Vraiment, nous souffrons. Si tout dépend de moi, par rapport au 8 mars, ça ne doit même pas exister. C'est que demain, tous les femmes soient en noir pour montrer aux gens qui sont en haut que le pays ne donne pas. Moi, disons que le 8 mars, ça m'énerve. Ça ne donne pas. Le pays ne donne pas. Et quand ça ne donne pas, il faut montrer que ça ne donne pas. C'est parce que nous sommes petits pour parler à ceux qui sont en haut que ça ne donne pas. Mon fils, vraiment, ça ne donne pas, comme je vous dis là. Tu es là. Tu souffres comme ça là. L'enfant parle, quand il parle la licence, il rentre encore au marché, souffle avec toi. Il rentre au marché, tu portes la tomate, l'enfant pousse ça pas dans la bouette. Tandis que tu es là, tu es sa mère. Tu rentres, tu prépares, il part enceinte, mais la femme part accoucher l'enfant, elle revient quand tu te trouves à la maison ensemble. Tu nourris la fille de quelqu'un, tu nourris aussi l'enfant que tu as accouché. Tu es là, tu souffres. Vraiment, nous souffrons beaucoup dans ce pays. Maman, on voulait savoir, on voulait que vous donniez un conseil aux jeunes filles qui vont vouloir décider de fêter, genre, ils seront agités. Non, mon fils, vous savez, les jeunes filles ne savent rien, elles sont ignorantes. Si tout dépend de moi, la fête ne doit pas exister. Parce que moi, demain, si vous venez ici, vous allez me trouver en noir. Je serai en noir, noir, sans qu'on vous dise là. Regardez ma tête, regardez. La tête d'une femme, d'une jeune dame comme moi. Regardez mes cheveux, regardez. C'est parce que je ne viens pas à me coiffer. Je m'en sors pas. Le kilo de ma queue coûte combien? Le kilo de viande coûte combien? Je vis mal. Avec combien de bâtons derrière mon dos? Les enfants qui pouvaient même aller même chercher, rentrer me donner que maman, prends-moi une bière, tu bois. On ne parvient même pas à me donner. Regardez. Pourquoi une maman comme ça, elle souffre? C'est pas mon goût. Je ne bois pas parce que ça me plaît. Je bois parce qu'elle souffre. Parce que pour boire même 500, mon goût, c'est la Isenberg. Pour boire même 500 comme ça, là, j'ai chancé jusqu'à ma tête. Parce que tu dois dire qu'on va manger quoi? On ne parvient pas à manger. La banane vend 5 doigts de banane à 200 dans ce pays, mon frère. Vraiment, c'est malheureux. La boîte d'achat à 150, le dépilpé à 200. Tu ne vis, on vit mal. Je bois, ça, c'est mon goût. Je bois seulement parce qu'il faut atténuer vraiment regarde, nous sommes au soleil. Il faut seulement atténuer la chaleur là. Ce n'est pas parce que ça me plaît. Pour dire que je vais fêter quelque chose qui me plaît. Mais c'est quelle journée? Ça, c'est la maudite journée.